Et oui, bonjour à tous, c'est Fredo Domino et on se retrouve pour une nouvelle session de grattage avec donc la sortie du nouveau ticket à 2 euros, le mini jackpot, donc un principe de jeu tout à fait similaire au ticket à 5 euros. Ce qui change bien sûr, ce sont les gains puisque c'est le ticket qui offre le plus de chances de gagner 20 euros, voilà, avec un gain de 4 euros minimum pour un numéro de remporté. Donc voilà, des principes totalement similaires. Donc j'ai pris 5 tickets pour un total donc de 10 euros. Objectif, bah, espérer remporter au moins sur un ticket. Donc on va découvrir ça ensemble tout de suite. Allez, c'est parti, let's go. Allez, un petit zoom. Pour ce ticket, alors le ticket à 5 euros, c'est celui qui me réussissait le mieux. On avait eu de jolis gains, donc on va voir si ça va être le cas également sur ce ticket. Allez, c'est parti, on va gratter les numéros gagnants. Alors, avoir autant de chance que les machines à sous, ça va être compliqué, mais pourquoi pas obtenir un joli gain. On commence donc avec le 10, le 14, le 38 et le numéro 5. Ok, allez, c'est parti. Oula, le gain est en dessous, alors comment ça se fait? Ah, il est au-dessus le numéro. Ah ouais, d'accord. Donc là, il y a un problème d'impression, visiblement. Alors, le 19, on ne l'a pas. Le 30 non plus. Le numéro 3, non. Et le 40 non plus. Ok, deuxième ligne. Ah oui, là, il y a un gros décalage. Le 23, le 28, le 37, non. On a le 38 et le numéro 9. Ok. Allez, ligne suivante. Le 34, non. Le 36 qui a des orfèvres, non. Le 39, dommage, on a le 38 et le 40. Le 12, non. Et dernière ligne, le 26, non. Le 22, non plus. Le 15, non. Et dernier numéro, le 17. Ok, premier ticket, perdant, dommage. Allez, le deuxième. C'est reparti. Le bébé, le numéro 1. Le 38. Le 23 et le 21, ok. Les pompiers, le 18, non. Le 26, non plus. Le numéro 9, non. Le 24, on a le 23. Le 40, non. Le 22, on a le 23 et le 21. Le 36, non. Bon, pour l'instant, ça ne change pas d'habitude. Hein. Souvent des tickets perdants. Le 16, non. Le 28, non plus. Le 19, non. Le 14, non plus. Le 17, non. Et dernière ligne, le 34, non. Le numéro 3, non plus. Le 25, évidemment, on a le 26 et le 24. Et le numéro 6, non plus. Ok, deuxième ticket perdant. Bon, pas de surprise pour l'instant. Allez, on va espérer ne pas être Fanny. C'est parti pour le troisième ticket. Le 30, le numéro 1. Le 14 et le 36. Ok, le numéro 1 comme tout à l'heure. Oula, le 24, dommage. Le 29, le 37, non, on a le 36. Pour l'instant, tout à côté, le 25, non. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu de la chance sur ces tickets. Le 17, non, le 9 non plus. Le 33, docteur, non. Le numéro 5 non plus. Ligne suivante, le 19, non. Catastrophe, le 32, non. Le 31, on a le 30. Ah, le 36, on a un gain. Bon, déjà, au moins, on ne sera pas Fanny, c'est toujours ça de prix. Le 36, on a un numéro, allez, peut-être plusieurs, ce serait bien. Le 34, le 16, le 40 et le 21. Ok, bon, on a le numéro 36, probablement 4 euros, mais ce sera toujours ça de prix. Ah, 7 euros, 7 euros. Ça existe 7 euros? Incroyable, c'est très rare. Je n'ai pas de souvenir sur des tickets qu'on ait 7 euros de gain. On va voir. Ah bah si, il y a bien un lot à 7 euros. Bon bah belle surprise. 440 000 tickets sur 6 millions, d'accord. Donc c'est une bonne moyenne quand même. Ok, bon bah c'est pas trop mal. Déjà, au pire, on perdra 3 euros, ce qui n'est pas trop grave étant donné la chance qu'on a sur les machines. Mais peut-être qu'on va être remboursé à l'issue de cette session, on va le voir. Allez, le 25, le numéro 2. Le 36, encore une fois. Et le 19. Allez, le 29. Le numéro 8, non. Le 39 non plus. Et le 33 non plus. Ok, ligne suivante. Le numéro 9. Le numéro 5, non.
Le 35, dommage, on a le 36. Le numéro 3, on a le numéro 2. Le 30, non. Le 40, non plus. Les pompiers, le 18, non, on a le 19. Et le 22, non plus. Allez, dernière ligne. Le 28, non. Le 37, on a le 36. Le 23, non. Et le 15, non plus. Dommage. Allez, dernier ticket, peut-être un gain. Ah bah si on avait 4 euros, on fera un bénéfice quand même. C'est toujours ça. Allez, on va voir. Le 37, le numéro 3. Le 39 et le 27. Ok. Le 36, dommage. Le 13, non. Le 30, non plus. Et le 11, non plus. Ok, numéro suivant. Le 33, docteur, non. Le 12, non. Le numéro 1, bah dommage, il aurait fallu sur les autres tickets éventuellement. Le 29, non. Le numéro 5, non. Le 31, non plus. Le 25, non plus. Le 26, dommage, on a le 27. Le 17, non. Le 22, non plus. Le 19, non. Et le 14, non plus. Bon, on s'en sort quand même pas trop mal, puisqu'il y a quand même 4 tickets sur 5 qui sont perdants. Mais celui-ci, voilà. 7 euros de gain grâce au numéro 36. Bon, c'est pas trop mal. Une perte de 3 euros, mais voilà, bon, c'est un ticket que l'on connaît. Je suis pas non plus très fan, mais voilà, ça permet de découvrir voilà, chaque mois des nouveaux tickets. Alors, ils ont des idées des fois plus intéressantes que d'autres, puisque là, c'est un peu la même chose. Mais bon, c'est vraiment les grands classiques, les numéros gagnants et retrouver des numéros. Hein, c'est le principe de beaucoup de tickets. Mais voilà, on sauve l'honneur, on sauve la mise avec donc ce gain de 7 euros. En tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un commentaire et à me dire si vous avez eu de jolis gains sur ce ticket. Et on se retrouve très vite, bien évidemment, avec impatience pour des sessions de machines à sous sur des achats de bonus avec un tirage assez incroyable qui s'est produit voilà, lors des sessions précédentes. Donc, on croise les doigts pour que la chance continue. Bonne journée à tous. Bye.